Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020, et nous allons parler ce matin d'un sujet d'actualité, puisque c'est le numérique et les métiers du bois. On va essayer de faire un petit tour d'horizon, hein, on n'aura pas le temps de tout voir, mais l'idée c'est de voir un peu comment ça se passe dans la vraie vie. Avec moi pour en parler, monsieur Régis Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de 2020. 2020, qu'est-ce que c'est ? 2020 Technologies, nous sommes éditeurs de logiciels. Donc nous accompagnons les agenceurs pour leur proposer des solutions. Approchez un petit peu le micro, voilà. Proposer des solutions d'aide à la vente, de fabrication et de pilotage de commandes numériques. Donc en première ligne, quand on parle numérique. Voilà. À côté de vous, monsieur Mathieu Hugon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut européen menuiserie, agencement et ébénisterie chez les Compagnons du Devoir, mais j'ai dû en oublier un petit bout. Non, c'est bien. Tout va bien. L'Institut européen menuiserie, agencement et ébénisterie. Ébénisterie, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un institut qui a pour but d'étudier le devenir du métier et des métiers, donc de menuisier et ébéniste, pour permettre, via différents axes de recherche, mémoire, rencontre, formation, de retranscrire tout ça dans les formations des jeunes qui font le tour de France chez les Compagnons du Devoir afin de les former aux métiers de demain et pas aux métiers d'aujourd'hui ni d'hier. Voilà, donc les métiers de demain intègrent forcément le numérique. Absolument. À côté de vous, monsieur André, excusez-moi, j'ai mal orthographié votre nom, je vais vous demander. Charignon. Alors prenez le micro. André Charignon. Vous êtes président de l'Union des métiers CAPEG menuiserie charpente et vous êtes aussi un menuisier. Voilà. Voilà. Et avec vous, ben on va voir votre expérience. Oui. À côté de vous, monsieur Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Biesse France. Biesse France, en quelques mots. Alors, Biesse France est la filiale du producteur italien de machines Biesse. C'est un groupe italien, donc présent dans 120 pays, 39 filiales. La filiale française, c'est la deuxième dans le monde et on a le leadership sur le marché français. Et on est présent dans la deuxième activité, dans la deuxième transformation du bois de machines à commande numérique. Voilà. Donc forcément, on va parler numérique avec vous. Voilà. Je vais vous poser tous la même question et je vais vous demander ce qu'évoque, comme ça, tout de suite, quand on dit numérique et métier du bois, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Et on va commencer par les compagnons. Alors, pour moi, ça évoque beaucoup de possibilités parce que les technologies numériques permettent de collaborer mieux entre les différents acteurs du même métier et de faire de l'interdisciplinarité plus facilement. Et également nous permettre de réaliser des choses plus complexes dans des temps plus réduits. Et ça permet de réaliser aussi, de réactiver certains savoir-faire que peut-être on avait perdu. Et aujourd'hui, grâce au numérique, on peut les remettre en vigueur. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple sur ce que vous venez de nous dire, sur la réactivation de ces savoir-faire Je pense par exemple à des pièces complexes qui font appel à la géométrie descriptive. Aujourd'hui, peu de gens fabriquent encore des arrière-voussures. Avec une machine numérique, on peut se remettre à en fabriquer et à réussir à les vendre à des prix corrects. Voilà, ça y est, question un rapport économie, hein, évidemment, qui est important. À côté de vous, monsieur, si je dis numérique et métier du bois, qu'est-ce que ça évoque pour vous avec votre retour d'expérience ? Alors, pour moi, le premier mot que je dirais, c'est virtuel. Parce que quand on est manuel, on n'est pas dans le virtuel, on est dans le concret. Et au départ, enfin, quand on parle numérique, on voit ça dans le virtuel. Et puis après, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Oui, on n'a plus besoin de ses mains pour le faire. On a besoin de sa tête. Monsieur Maziès, vous, qu'est-ce que ça évoque quand on dit numérique et métier du bois ? Moi, c'est la transformation des métiers, en fait. Nos clients de 20 ans, enfin, moi, j'ai ouvert la filiale il y a 25 ans. On parlait déjà de numérique, mais pas comme aujourd'hui. Et on a vu vraiment une évolution, soit des TPE, des PME, un agenceur, menuisier-agenceur. On a carrément changé la philosophie du métier, quoi. On verra en quoi, hein, aujourd'hui, où on en est, en quoi ça a changé les choses. Et vous, monsieur Blandin, quand je vous dis numérique et métier du bois ? Pour nous, c'est surtout une meilleure compréhension pour le client final. C'est-à-dire qu'avec les outils, surtout nous, sur notre partie en tout cas, avec la partie logicielle, qu'on va amener chez des agenceurs, comme des solutions d'aide à la vente, ça permet par exemple de présenter des projets à un client qui aura plus de facilité à le comprendre avec des rendus 3D qu'avec un plan 2D qui pouvait être fait à la main ou des croquis qui étaient faits à la main auparavant. C'est déjà le premier niveau. Et après, le deuxième niveau, ça va être surtout une amélioration du suivi de données dans l'atelier.
On va éviter les reprises d'informations et donc ça va être beaucoup plus qualitatif sur le transfert en fabrication. Ça, c'est ce qu'apporte le numérique. Monsieur Mazet, je vais vous demander de nous faire un petit historique, un peu de ce qui s'est passé. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est dans les années 80 qu'on commence avec les premières machines à la commande numérique. Faites-nous ce petit historique et dites-nous où on en est aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire. Alors, oui, dans la machine à bois, on a vu les premières machines à commande numérique arriver dans les années 80. On parlait de centre d'usinage. Au départ, c'était deux axes. On pilotait, on était capable de faire des fersages d'une façon plus précise. Ça aidait derrière à avoir des assemblages au montage sans erreur. En l'espace de 30 ans, ça a énormément évolué. On a amené beaucoup de flexibilité. Tout à l'heure, je parlais de transformation de métier. On a permis à des agenceurs de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire ou qu'ils avaient acquis un savoir-faire, mais ils n'étaient plus capables de le reproduire d'une façon concrète et surtout de le commercialiser. Quoi. Donc, allez-y. Je continue de développer. Ouais. Après, c'est clair que le numérique, on l'a mis au départ sur les machines à commande numérique, sur les centres d'usinage. On l'a amené sur les plaqueuses de champ. On l'a amené sur les scie à panneaux. Sur les plaqueuses de champ, c'est juste extraordinaire. Il n'était pas rare. C'est des plaqueuses qui fonctionnaient il y a 25 ans. C'était quelque chose de très complexe que des réglages à la main. Déjà, rien que le technicien, il fallait vraiment un ingénieur de la NASA pour piloter tout ça. Aujourd'hui, tous les groupes sont positionnés numériquement. On change d'un champ mince à un champ épais, du type d'encollage, d'une façon complètement automatique. Quoi. Donc le numérique, c'est de la simplicité, finalement, dans la manière de faire ou de l'efficacité ou... Le numérique, c'est de la simplicité. Ça a permis de passer d'une époque où on produisait on avait des volumes importants, de la souplesse extrême, c'est-à-dire que maintenant il y a plus de stock. Quand on parle d'industriels, ils ont réduit les stocks, les encours. On parle de cuisine produite en 15 jours, 20 jours, 30 jours, ça dépend de l'organisation. Donc on a amené de la souplesse à tout niveau, quoi, et de l'efficacité. Et quand on parle de ça, on parle aussi d'un point de vue économique, d'une meilleure rentabilité pour les entreprises. Alors, je vais vous demander, M. Charignon, votre retour d'expérience à vous. Vous avez acheté une machine il y a quelques années déjà. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça ne vous a pas apporté? Qu'est-ce que vous auriez voulu que ça vous apporte? Alors, nous, la première numérique qu'on a achetée, c'est chez BS. Et ça a été très simple. C'était une machine très simple à comprendre. On avait 3 jours de formation. Et au bout de la première journée, on a dit au formateur de partir. C'était il y a combien de temps? Il y a un peu plus de 20 ans. C'était avant les années 2000, je pense en 97. Voilà. Au bout d'un jour, on a dit au formateur de partir parce qu'on avait suffisamment de formation pour faire ce qu'on faisait tout le temps. Et puis après, on a eu les 2 jours de formation complémentaires quand on a eu besoin de s'approprier un peu plus la machine, aller un peu plus loin. Alors c'est vrai que ça nous a permis avant, quand on faisait un magasin, on prévoyait ça 3 semaines avant. Et après, le magasin, on le prévoyait 4 jours avant, 3 jours avant. 3 jours avant d'aller poser. Beaucoup de rapidité dans l'exécution, enfin beaucoup de rapidité dans la préparation en fait. Hein. Et dans l'exécution, puis on a la précision, puis si jamais on se trompe sur une pièce, on n'a aucune difficulté à la refaire. C'est facile. Par contre, après, quand on veut aller plus loin, parce qu'on n'a pas passé 20 ans comme ça, après on s'est équipé de logiciels. Et ça a été un peu plus compliqué parce que la personne qui s'occupe du logiciel, qui fait les programmes, c'est pas celle qui monte. Donc on partage le travail. Et ça veut dire que celle qui monte ou celle qui usine, elle comprend pas tout ce qu'on lui demande. Donc on a besoin d'avoir un peu plus de contact, on va dire, ou en tout cas de synergie entre les personnes qui travaillent pour un meilleur échange. Ça demande d'échanger, en fait. En tous les cas, c'était notre cas parce que nous, on ne faisait jamais la même chose. On faisait que des choses différentes. Donc effectivement, ça demande de comprendre. Effectivement, il y a un lien permanent entre celui qui fait le programme et l'usinage et le montage. Oui. Comment vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, là, parce qu'on s'est rendu compte de ça, nous, il y a quelques années. Et on travaille très en amont dans la filière, sur la partie formation. On est présent, par exemple, à l'école supérieure du bois, à Nantes, école d'ingénieurs. On est présent à l'école de Cluny, qui forme aussi d'ingénieurs avec un pôle bois. Avec les compagnons du devoir, ça fait 5 ans qu'on est en partenariat, où on équipe leur centre d'excellence de menuiserie de basé à Muison, avec les centres AFPIA. Voilà, pour...
les équiper d'une part, mais aussi les aider à mieux intégrer ces équipements. Voilà. C'est-à-dire que les élèves, il n'est pas rare de voir qu'on accompagne des élèves d'ingénieurs, qu'on les prenne à Pesaro dans nos usines et qu'on leur fasse 2-3 jours en fin de stage pour leur montrer nos technologies, l'application chez des clients, voilà, pour essayer qu'ils aient une vision complètement différente. C'est une vision différente, hein, et c'est des métiers différents, ou en tout cas il y a une adaptation des métiers, c'est ça ? Oui, oui, c'est notre cas. Maintenant, c'est vrai qu'on ne saurait plus rien faire sans numérique. Et c'est un peu ce qui est dommage. On doit percer un trou, on ne prend pas la perceuse, on va sur la commande numérique. Des fois, c'est des petites déformations. C'est des petites dérives. Du point de vue des logiciels, monsieur a évoqué la difficulté peut-être du logiciel. Comment le logiciel s'inscrit dans le changement de ces métiers et dans l'accompagnement, on va dire, des métiers du bois pour se familiariser avec ces machines, avec... C'est ça qui est très, très compliqué aujourd'hui, en fait, parce que pour beaucoup d'entreprises, souvent, lorsque la première machine arrive dans l'atelier, on n'est pas équipé en fait en logiciel, on n'est pas équipé donc en amont en fait pour pouvoir l'alimenter correctement. Et généralement, donc souvent, c'est le patron qui veut commencer à utiliser les logiciels parce qu'il s'il prend un salarié, il a peur que si le salarié une fois formé, il peut partir. Donc du coup, il se retrouve complètement bloqué dans l'entreprise. Et c'est là où nous, on intervient justement pour essayer de faire comprendre qu'il faut on va les accompagner dans le temps et on va former à la fois peut-être le patron, mais aussi une autre personne. Parce que même si demain, il y en a une personne qui est malade, il peut y avoir juste un arrêt de production à cause de ça parce qu'on n'arrivera pas à alimenter la machine. Là, il y a une nécessité de formation, de polyvalence aussi. Et il faut au moins 2 ou 3 personnes dans l'entreprise qui sachent utiliser. Exactement. Et beaucoup de psychologie parce qu'en fait, au final, on doit s'adapter lorsqu'on va former sur des logiciels, surtout en CAO, il faut qu'on s'adapte au métier du client et surtout à ses méthodes de fabrication, donc avec tout l'historique qu'il peut avoir derrière. Et nous, notre rôle, c'est justement d'être la passerelle un petit peu entre leur savoir-faire et leur métier, en passant par le logiciel pour l'amener jusqu'à la commande numérique. Donc c'est vraiment un accompagnement à long terme qui demande un investissement du client financier, mais surtout en termes de temps, parce que c'est lui qui va devoir derrière prendre du temps pour utiliser tout ce matériel numérique qu'il amène dans son entreprise. Par exemple, pour vous, comment ça s'est passé en termes de temps, en termes de formation on a vu que vous aviez fait les formations, mais une fois que vous êtes passé de la machine puis au logiciel, combien de personnes sont capables de travailler en même temps sur un même projet avec les outils des uns et des autres ? Alors. Dans mon entreprise, il y avait une personne, le chef d'atelier, qui était très orienté informatique, on va dire, et qui a la tête très bien faite. Donc lui, il est rentré dedans, mais on a suivi une formation à 3. Et moi, j'ai vite abandonné parce que ça devient une spécialité, quoi, de construire sa bibliothèque. Et il l'a construit 2 fois parce que la première fois, en fait, là, vous ne nous donnez pas assez d'outils pour faire ces bibliothèques, en fait, hein. Construire cette bibliothèque pour qu'elle soit paramétrable à chaque fois. Quand on construit un meuble, il faut qu'on puisse le paramétrer complètement. Enfin, chez nous, c'est notre cas. Donc, il y en a un qui a fait cette bibliothèque, qui s'en sert tous les jours. Et après, chaque personne vient construire son meuble. Et quand le meuble est trop compliqué, c'est effectivement le chef d'atelier qui s'en occupe. Alors, du côté des jeunes, hein, de la formation, comment les savoir-faire évoluent ? Par rapport à cette problématique, par rapport à la numérisation tout simplement et au digital, comment vous les inscrivez dans cette tendance ? Alors nous, par rapport à tout ce qui a été dit, qui était très intéressant, on se positionne d'une manière assez simple. Il y a d'un côté l'outil numérique, le logiciel, la machine, qu'il faut apprendre à maîtriser et qu'il faut bien maîtriser, comme un outil, comme une scie à ruban, comme une toupie. Il faut s'approprier l'outil et s'en servir. Après, effectivement, comme ça a été dit, il y a un impact psychologique du numérique sur les pratiques métiers. Et nous, on est vraiment axé sur la formation pour permettre à nos jeunes de se rendre compte que le numérique, c'est certes un outil, mais c'est aussi le fait qu'il faut qu'ils apprennent à travailler avec, à l'intégrer dans leurs pratiques métiers. Et ça leur permet aussi de... Comment dire ça ? En fait... Avec le fait que les outils évoluent tous très rapidement. Hier, c'était long de faire une bibliothèque de quincaillerie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. On est toujours sans cesse en train d'apprendre à maîtriser l'outil.
puisque le logiciel évolue, il y a des mises à jour, la machine évolue, on la change. Nous, ce qu'on essaye de leur apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. Voilà. Développer une méthodologie personnelle pour pouvoir s'approprier l'outil. Oui, parce qu'ils seront confrontés de toute façon tout au long de leur expérience professionnelle à des évolutions importantes, oui. Parce qu'on n'en est qu'au début. Hein. On verra après comment vous travaillez l'avenir. Vous vouliez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, je voulais dire qu'il est important d'apprendre à construire un meuble. Certains croient que c'est le logiciel ou la machine qui va faire le meuble. Non, c'est notre intelligence qui va construire le meuble et après on va demander à la machine de le faire. Donc c'est vrai que c'est important de connaître les bases du métier, sinon on est dépourvu. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Non? Oui, non, mais je l'ai rejoint, mais il y a aussi un autre aspect sur lequel duquel on n'a pas parlé, c'est toute la partie accident du travail et les risques. À un moment donné, on parlait beaucoup des cancers du sinus liés à l'activité des poussières de bois. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on y travaille. Aujourd'hui, on a des machines en démonstration dans le salon. Vous pouvez vous approcher très très proche, même avec des costumes foncés, il n'y a pas une poussière qui se promène dessus. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur... quand j'ai commencé à travailler, il était pas rare que je serre... Alors, excusez-moi, je vous interromps, mais en quoi le numérique aide à travailler sur les poussières? Alors, on a travaillé sur la captation des poussières, parce qu'aujourd'hui, la différence avec des machines plus traditionnelles, l'homme touchait la pièce de bois et était en contact. Aujourd'hui, la formation, elle doit être aussi sur un autre aspect, c'est-à-dire la personne doit visualiser la pièce dans l'espace. Voilà. Et elle n'est plus du tout en contact. Ça, c'est quelque chose de très important. De ce fait-là, on a retiré l'humain, on l'a mis à plus d'un mètre de toute partie en mouvement. Donc on n'a plus de... Ce que j'allais dire, c'est que moi, début de carrière, je serrais la main à certains menuisiers, pas rare, qui manquent un ou deux phalanges. Aujourd'hui, c'est terminé. On ne travaille plus sur des machines aux champignons. Dernièrement, on voit, et je vous invite à aller sur l'espace Biesse, là, qui est tout au fond de ce hall, on a un gros stocker, c'est un alimentateur de scie à panneaux. Pourquoi on est arrivé à proposer cette solution? Tout simplement parce que nos clients avaient des racks verticaux. Ils se baladaient avec des manitous, en fait, des fenouilles à l'intérieur de l'usine. C'était quelque chose de très accidentogène. Il n'était pas rare qu'une pile tombe. Ça pouvait tomber sur quelqu'un, sur une machine. Enfin, c'était à risque. Aujourd'hui, avec les stockers, on a complètement éradiqué ces problèmes de risque de manipulation de panneaux. Voilà. Donc, amélioration des conditions de travail également. Amélioration des conditions de travail, limitation des accidents au travail, des cancers de sinus parce qu'on a écarté les opérateurs des poussières de bois. Votre voisin a hoché la tête. Alors, ça laisse moins de place aux petits menuisiers parce que tous ces équipements coûtent cher. Et c'est vrai que monter une entreprise de menuiserie, on ne peut pas démarrer avec une numérique, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai, c'est pas vrai. Je suis obligé de rebondir. Non, c'est pas vrai. Nous, on s'est rapproché aussi de la CAPEB. La CAPEB, ce sont les artisans ou des compagnons de devoir. Au départ, on peut dire que c'est ça. C'est justement pour réhumaniser le discours. Alors déjà, il y a des machines de deuxième vie, on va dire ça comme ça. Et souvent, on vend ça à des toutes petites entreprises. À côté de ça, la technologie qu'on vend toujours dans des PME industrialisées ou chez des industriels, nous, notre force, c'est de l'appliquer tout de suite sur le matériel d'entrée de gamme. Et aujourd'hui, on peut toucher des centres d'usinage 5 axes, formation, software inclus, pour 120 000 euros. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Il ne faut pas regarder le coût, il faut regarder la rentabilité de l'outil, quoi. Les stockers, que je parlais, les premiers stockers qu'on a sortis, c'était le stocker par lui-même coûtait 400 à 500 000 euros, les tout premiers, c'est-à-dire il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, on propose une solution, stockage avec débit intégré à moins de 200 000 euros. Donc c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, pour une petite entreprise, ce n'est pas autant d'argent qu'on peut l'imaginer, quoi. D'accord. Il hoche toujours la tête. On va venir un peu sur les compagnons du devoir, mais avant, je voudrais voir comment, avec les logiciels, on intègre tout ce qu'on vient de dire là et toutes ces problématiques. Nous, notre rôle, de toute façon, c'est de travailler aussi bien avec des petits que des grands et de s'adapter évidemment à leur méthode de travail. Donc, sur des petites structures, effectivement, on va généralement travailler avec des machines de deuxième vie, donc on va dire machines d'occasion. On va s'adapter à ces machines-là. Bon, généralement, c'est des premiers investissements qui sont faits, donc sans dépasser les 50 000 euros généralement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, en fait. C'est la première machine qui rentre, donc ils essayent, ils mettent le logiciel aussi. Mais on tâtonne, on fait des expériences, on est tous et, un peu... Et au fur et à mesure où l'entreprise évolue avec l'outil, je pense qu'ils comprennent aussi l'intérêt.
Et c'est à partir de là où généralement ils évoluent vers des solutions beaucoup plus complètes et où ils arrivent justement à vraiment à prendre conscience de l'intérêt de ce type de matériel. Mais ça prend généralement du temps. Ça prend du temps. Après, aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus à faire chez les menuisiers, les agenceurs. Ils y viennent petit à petit. Je pense que le taux d'équipement a dû, je pense, en presque 10 ans doubler ou quelque chose comme ça. Je crois que chez les compagnons, ils ont fait une étude là, sur ce sujet-là qu'ils sauront nous dire. Mais c'est quelque chose qui évolue énormément et très rapidement pour les prochaines années. Pour les compagnons, justement, par rapport à ça, c'est une question de génération, si peut-être. Comment les jeunes que vous avez... Alors, on aura une émission, hein, on va consacrer une émission complète à la formation, à la revalorisation, on va dire, des métiers du bois. Est-ce que ça, le numérique, c'est quelque chose qui va permettre d'attirer du monde? Et en même temps, est-ce que c'est finalement eux, ils sont nés presque avec une tablette ou avec un téléphone portable, smartphone, ce qui n'est pas notre cas à nous, à nos générations. Est-ce qu'ils s'approprient beaucoup plus facilement ces questions du numérique ou pas? C'est pas vraiment une question de génération. C'est pas une question de génération. On a des jeunes chez nous qui sont complètement réfractaires à l'outil numérique, d'autres qui n'arrivent pas très bien à se l'approprier. Et on a aussi des plus anciens qui sont passionnés par ça, depuis plus ou moins longtemps d'ailleurs, et qui s'en servent très bien. Donc c'est, pour moi, le critère d'âge est pas... En fait, on s'est aperçu que c'était pas pertinent. C'est plus une question de sensibilité personnelle. Et c'est pas parce qu'on a un smartphone dans les mains tous les jours qu'on arrive à mieux s'approprier l'outil numérique d'un point de vue professionnel. Scroller sur un écran, c'est pas faire de la programmation, quoi. C'est pas du tout la même chose en réalité. Ouais. Ça veut dire qu'on garde le métier quand même et que c'est le métier d'abord avant le numérique. Ça marche ensemble. L'un avant l'autre, disons que ça marche main dans la main. Aujourd'hui, nous, on forme à la fois à la conception, parce qu'effectivement, comme vous disiez, il faut savoir faire un meuble, il faut savoir concevoir un ouvrage. Et le numérique est un outil qui va nous faciliter la tâche et nous la rendre plus simple, plus aisée, plus confortable, moins nous abîmer quand on va le réaliser. Mais c'est deux choses qui vont ensemble. Il est vraiment important aujourd'hui qu'on se dise que la machine n'est pas là pour remplacer l'homme. Et que c'est la machine qui est au service de la compétence. C'est un outil supplémentaire, en fait. Absolument. C'est un outil de plus, c'est un ciseau à bois, on va dire, pour un peu plus complexe qu'un ciseau à bois. Ouais. Monsieur faisait allusion à une étude que les compagnons ont réalisée sur le taux d'équipement, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Donc, les compagnons ont répondu à un appel d'offres de la DGSE et monté un pôle innovation pour la seconde transformation du bois. Qui vise à accompagner les entreprises justement dans leur transition numérique et environnementale. Quand on parlait de travail à faire sur la formation, on a un organisme qui est là pour accompagner les entreprises, faire du conseil justement sur l'investissement et l'équipement numérique et les impacts que ça peut avoir sur l'organisation du travail et sur l'ensemble de la chaîne de production. Dans ce cadre-là, nous avons réalisé une étude sur les habitudes numériques des entreprises de la filière bois, donc charpente, agencement, menuiserie. Voilà, qui a ciblé le taux d'équipement, des questions sur les enjeux, qu'est-ce qui pour les entreprises aujourd'hui est un enjeu, le BIM, le numérique dans son ensemble. Les conclusions sont intéressantes parce qu'on s'aperçoit qu'on aurait tendance à penser par exemple que les grosses entreprises, les entreprises qui ont beaucoup d'effectifs sont à la pointe de la CAO par exemple, que tout le monde est équipé maintenant de logiciels CAO 3D, alors qu'en fait on s'aperçoit que c'est plutôt les petites entreprises de petite taille qui s'équipent en 3D. Alors que les entreprises de plus grande taille travaillent toujours en 2D. On a une explication à ça. Certaines conclusions qui paraissent intuitives sont en fait contre-intuitives. Voilà, c'est un peu comme ma question sur les tablettes tout à l'heure ou les smartphones. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Non, effectivement. Monsieur Blandin. Oui, je pense qu'il y a une explication à ça parce que lorsqu'on amène du numérique, notamment la partie logicielle dans une entreprise. Mine de rien, c'est tout un changement de process qu'on va amener dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'une petite entreprise, une petite société où on va avoir entre 2 et 10 personnes vont avoir plus de facilité à aller vers le changement qu'une société de 100 personnes qui a déjà des process bien établis où là, ça, en fait, ça va impacter beaucoup plus de personnes dans l'atelier. Et donc, ça met beaucoup plus de temps, en fait, du coup, et beaucoup plus de réflexion pour pouvoir passer justement sur ces outils-là. De la réflexion, du temps. On est encore dans la phase transition ou est-ce qu'on est déjà dedans? Et puis, ce sera ma dernière question parce que le temps passe. Donc, est-ce qu'on est encore dans la transition? Est-ce qu'on est déjà dedans? Et puis, la suite, c'est quoi? Qui veut commencer?
Moi, très rapidement, je pense qu'on n'est plus vraiment dans une phase de transition. On est déjà dedans, mais je pense qu'en fait, ça ne va pas s'arrêter d'évoluer. Donc, on est maintenant dans un état de transition permanent, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui va aller. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et des choses la conception générative, l'automatisation qui arrive encore plus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ouais. Beaucoup de choses qui arrivent. Donc, c'est quelque chose. Il faut s'y habituer dès le départ. Mais de toute façon, il va falloir tout au long de sa carrière, tout au long de son métier, évoluer avec la technologie et le numérique. Oui. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et surtout, on doit penser à former les jeunes aujourd'hui. C'est très important. Alors, évidemment, on doit les former sur le savoir-faire d'ébénisterie, d'agencement, dans leur métier, hein, évidemment, pour ne pas perdre ce savoir-faire. Mais on doit aussi les former sur les outils numériques dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Moi, clairement, aujourd'hui, on voit au quotidien des entreprises qui manquent de main-d'œuvre pour s'équiper en numérique. C'est-à-dire qu'ils ont, ils cherchent des gens, aussi bien en bureau d'études pour faire du dessin, aussi bien pour piloter des machines dans l'atelier. Ils cherchent du monde. Voilà. Ils cherchent du monde, ça c'est un appel au peuple. Formez-vous et venez clairement, travailler. Clairement, des fois on sert un peu de Pôle emploi et on a beaucoup de demandes et on ne sait pas trop quoi en faire. On essaie de travailler avec les compagnons pour essayer de leur retransmettre. Et on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Voilà, donc des métiers d'avenir. Métiers d'avenir. Sur, je ne sais pas qui veut commencer, mais vous parliez, parce que je voudrais finir avec vous, on va parler un peu de BIM. Monsieur Maziès, est-ce qu'on y est déjà ? Est-ce qu'on est encore dans une transition ? Et où on va du côté de la machine ? Alors, on n'est plus du tout dans la transition, on est dedans depuis un certain moment. Nous, dans le discours, on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est que la commande numérique ou ce qu'elle apporte à une entreprise, même une petite entreprise. Ils l'ont déjà bien compris et on va plus loin que ça. Non, maintenant on est dans la phase, pour rebondir par rapport à ce qui vient de se dire sur l'aspect recrutement, on va plus loin dans le sens où on commence à mécaniser les petites entreprises, à les automatiser, à les robotiser. Il y a encore le problème du coût du développement des robots, sinon si on dépassait ce problème-là, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus en France. Maintenant, on est plutôt dans la séduction, nous, maintenant, pour faire que cette filière, elle continue d'avancer comme elle est en train d'avancer, dans la séduction de talents, quoi, d'ingénieurs ou de personnes qui sortent pas d'issue qui sont pas forcément issus du sérail du bois. Voilà, hier, j'en ai rencontré un par hasard, qui venait plutôt de la mécanique, et il est resté pendant près d'une heure devant ma machine à voir la tête 5 axes évoluer. À la fin, je lui ai pris son CV, quoi. Voilà. Parce que quelqu'un comme ça, on peut le faire évoluer, même en usine, plutôt que de l'autre côté, à utiliser la machine, il peut peut-être la développer. Voilà, donc un deuxième appel au peuple, venez, c'est des métiers qui se développent et on a vraiment besoin. Oui, on est en train de... Il y a une mutation des métiers aujourd'hui. On est en train de créer, soit chez nos clients, soit chez nous-mêmes, on est en train de créer des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui n'existent pas. Voilà. Mutation des métiers, mais on a bien compris que c'était une mutation permanente, en fait. On va terminer avec vous. Donc, pareil pour vous, est-ce qu'on est dans la transition ? Est-ce qu'on y est déjà ? Et vous vouliez nous aborder le sujet du BIM dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie de cet ensemble, hein, de la numérisation. Donc, je vous laisse la parole. Alors, je vais déjà réagir sur une chose. Le numérique, c'est pas que les grosses machines. Parce que sur le salon, ici, vous avez des machines à moins de 3000 euros qui sont numériques. Donc vous abordez le programme, l'usinage. Et ça veut quand même dire qu'un jour, nos métiers, c'est le geste qui compte, mais un jour, est-ce que ça sera un menuisier qui va faire ce geste-là ? Est-ce que nos métiers ne vont pas être banalisés comme ça l'est de plus en plus ? Comme maintenant, le maçon est capable de poser de la charpente, puisqu'il fait tailler sa charpente par quelqu'un. Les métiers se transforment, ça c'est vrai. Je pense malgré tout qu'on est obligé d'aller au numérique. Pour aborder le sujet du numérique et le BIM. BIM, oui. Voilà, je pense qu'à la pause, on va avoir besoin de numérique. Maintenant, on est capable de scanner des bâtiments. Donc, on est capable. Ce qu'on savait faire avant, ce qui était appris dans les écoles, c'est de tabletter, c'est de faire les choses. Mais maintenant, on scannera l'intérieur d'une pièce. On fabriquera. Exactement la pièce, enfin, je ne sais pas si vous y travaillez dessus, mais voilà. Et il n'y aura plus besoin d'être menuisier pour poser. Et il faudra être, je ne sais pas, mais c'est un peu provoque comme.
comme pain, mais je pense que ouais, nos métiers vont changer. Ouais. Les métiers vont changer avec un risque de devenir un assembleur plutôt qu'un menuisier, si j'ai bien compris ce que vous dites. Oui, peut-être, oui. Je veux une réaction là-dessus, s'il vous plaît, et puis après, on arrête. Oui, parce qu'on pourrait parler des heures de ça. Non, alors après, oui, certes, les métiers vont changer. Ils changent depuis qu'ils existent. On ne pratique plus le métier de menuisier comme on le pratiquait au XIIe siècle, ni même en Égypte. Pour nous, c'est pas seulement une obligation. Comme je disais, le numérique, c'est avant tout des possibilités d'évolution. C'est une opportunité d'évoluer et pas une obligation de changement. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de le voir, en tout cas. Et c'est comme ça qu'on est convaincu que ça va se passer. Après, opportunité d'évoluer, pas d'obligation de changement. Je note, je retiens, c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV donc, pour nous parler du numérique et des métiers du bois, de l'évolution. En une demi-heure, on n'avait pas le temps de faire un tour d'horizon complet, mais je pense qu'on a bien défriché. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous.